si nous voulons lutter contre le régionalisme, alors il se porte candidat pour ça. Ça signifie quoi? Faut pas demain que les gens se le soutiennent aujourd'hui et demain quand il va vouloir lutter contre la corruption et combattre ce qu'il faisait, qu'il se retourne contre lui. C'est-à-dire que c'est le candidat du vrai changement, du vrai renouveau de ce pays. Nous sommes tous égaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut un candidat de son genre pour sauver le pays. Donc si je dis oui pour quelqu'un, je le dis oui. Et ce n'est pas pour ceux qui me connaissent depuis l'université. Je ne suis pas un politicien qui change le matin, midi, soir. Non. Nous, on a dit oui à Tim, mais vous verrez le résultat. Les pressions sont très bonnes. Vous-même, vous avez assisté, vous avez vu. Ce n'est pas de la démagogie, puisque tout le monde a vu. Donc, le discours était très bon. D'abord, simple, court, précis et concis. Et dans ce discours-là, vous devez remarquer qu'il a parlé rapidement de son programme. Il a parlé du chômage, il a parlé de l'énergie électrique, il a parlé de la lutte contre la corruption. Donc, pratiquement, il a résumé dans son discours de 10 minutes, de 10 à 15 minutes, ce que je peux appeler son projet de société. Un discours simple. Et j'ai retenu qu'il a dit, les hommes simples font de grandes choses. Il a démontré sa modestie et sa simplicité. C'était bon. La mobilisation a été très belle. Le terrain et le stade étaient pleins. Il n'y avait que quelques fauteuils qu'on voyait de loin, mais qu'on passait par beaucoup de gens intéressés dehors. Beaucoup ont rempli la pelouse. Je crois que la messe est dite. Comme je l'ai dit à plusieurs occasions, la messe est dite. Toute la classe politique s'est mobilisée pour susciter la candidature du président Sébastien Ajavon. Et nous avions dit à l'époque, s'il fallait parcourir les 77 communes, cela allait être fait. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous avons souhaité avoir un oui, mais nous avons reçu un triple oui. Il faut que la nuance soit constatée. Donc c'est un triple oui du président Sébastien Ajavon que nous avons. Cela veut dire tout simplement que la messe est dite. Vous-même, vous avez vu la mobilisation. Le reste, c'est dans les concrets. Et le message du président a été très clair. De parcourir les monts et vallées, de hameau à hameau, pour passer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle sera passée.